Bonsoir à tout le monde et bienvenue sur la chaîne de l'univers de Cathy en ce dimanche 5 décembre 2021. Donc j'ai voulu faire une vidéo tout à l'heure, puis finalement le stock était trop plein. En plus je me suis trompée de date, hein. J'avais dit le dimanche 4 alors que c'est le 5. Et puis stock plein, donc il a fallu que je mette sous clé USB, etc. Bref, donc je recommence. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end. Donc je vais vous montrer un petit peu quelques petites choses, voilà, comme promis. Et puis par contre, la chambre, c'est intime, hein. Je vous montrerai juste le cadre qui a été acheté vieilli pour cacher, voilà, en attendant de refaire, que j'ai une idée au niveau du papier peint ou autre chose, on verra bien. Voilà, donc on va commencer. Je vais vous montrer le petit coin où il y avait le bureau, comment c'est devenu. Donc voici. Alors, je vais un peu agrandir. Donc à la place, il y a une chaise que j'ai recouverte d'un plaid, hein, c'est doudouillet avec un coussin. Voilà, le repose-pied, le petit panier à Nuki. Donc vous voyez, derrière, il y a un radiateur. Voilà, donc j'ai mis aussi donc la plante ici. Voilà, qui était dans une autre pièce. En attendant, puisque j'ai une autre chaise qui est chez cet ami qui est venu, qui a commencé à poncer les pieds d'une autre chaise où il y a l'assise et le dossier en cuir rouge. Et comme c'est rouge, ça va pas trop, même le cache-pot, là, je vais le changer dans le salon, parce que dans le salon, c'est des couleurs plus ou moins. J'ai essayé de rechercher le plus naturellement possible la déco, etc. Voilà, des choses en bois, etc. Parce que j'aime bien le bois, je reviens un petit peu à l'essentiel, voilà. Et donc voilà ce petit coin ici. Et puis je vous avais promis, donc je remerciais la personne qui m'avait offert les produits hein, aux plantes et cette botte. Hein, voilà, je l'ai mise ici en attendant. Donc elle est verte, on ne voit pas trop la couleur. Voilà. Comme il y a un abonné qui m'a dit, il n'y a plus qu'à la remplir. Voilà. Voilà donc cette plante-là. Voilà, je l'ai mise ici. Et vous allez certainement reconnaître ce cadre ici qui cachait le radiateur. Voilà, comme ça vous savez tout. Et puis là-haut, c'est pareil, la coccinelle, je vais la retirer, je vais la mettre dans l'autre pièce parce que la couleur rouge ne va plus non plus trop avec voilà. Et puis en haut, vous avez, voilà, c'est une hotte. Donc moi personnellement, j'ai mis des fleurs, des fausses fleurs bien sûr, et c'est une hotte des vendangeurs d'antan. Voilà, ils portaient sur leur dos ceci pour mettre le raisin, pour transporter le raisin. Donc comme je suis dans le secteur où il y a beaucoup de raisins, voilà, en Champagne, donc voilà, c'est pas le panier, c'est pas la hotte du Père Noël, c'est la hotte des vendangeurs d'antan. Voilà, donc voilà, chapeau, machin, le petit cœur. Et puis ici, voilà, je peux vous montrer parce qu'on ne voit pas trop le visage. Donc ça, c'est une photo de mes deux petits-enfants. Donc ils sont géographiquement éloignés. Et cet été, donc ma plus jeune fille, avec ma petite fille, voilà, qu'on voit de dos, qui fait un petit câlin à mon autre petit-fils. Voilà, parce qu'elle est partie en vacances chez sa sœur aînée. Et pendant une semaine, il faisait beau, il faisait même trop chaud. Donc pour la petite, il sortait plutôt le matin que l'après-midi. Et là, c'était l'heure en forêt d'un pique-nique. Voilà. Donc c'est trop mignon. Donc j'ai reçu la photo, voilà, je crois que c'est ma fille aînée qui me l'a envoyée. Donc du coup, j'ai mes deux petits-enfants qui sont ensemble, puisqu'ils sont éloignés géographiquement. Voilà. Donc voilà, le bureau était ici, vous voyez. Donc voilà, c'est. Et donc il y aura une autre chaise. Voilà, où ça fait un peu cocooning. Moi j'aime bien tout ce qui est cocooning. Voilà, qui est chaleureux, etc. Je vais passer de l'autre côté. Donc voici. Alors oui, effectivement, on voit bien le bureau avec l'autre plante. Je devais faire ma déco Noël, mais en fin de compte, je croyais qu'elle était ici, mais elle est dans la cave. Et aujourd'hui, c'était un peu plutôt coucoule, hein, tranquillou, puisque, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais bon, je peux vous dire qu'on a porté des meubles ensemble, etc. Je me suis baissée, je me suis relevée, machin, etc. Arthrose, et puis du coup, ben, j'avais les lombaires complètement cassés, voilà. Trop mal au dos, aux épaules, aux bras, enfin voilà, les muscles se sont fait ressentir.
Et puis donc je me suis dit aujourd'hui c'est tranquillou. Donc du coup je devais faire la déco de Noël sur le bureau, mais voilà, je n'ai pas tout. Voilà, donc vous voyez comment c'était le bureau. Donc j'avais tout à la portée de ma main. Voilà, les oracles étaient à droite, j'en avais à gauche, etc. etc. Voilà, donc j'ai trouvé ces papillons que voilà, c'est emmêlé, etc. Donc je les accrocherai ultérieurement. Et du coup, la table elle est dans ce sens-là. Donc j'ai fait un essai de vidéo et en mettant mon trépied, ça ne va pas du tout. Donc là, il faudra que je la retourne pour pouvoir accéder à la rallonge. Donc là, au niveau de la rallonge, si je mets mon trépied, en plus c'est décalé, quoi, donc ça sera impeccable. Et là, on pourra voir ce qu'il y a sur cette table. Là, j'ai essayé, on ne voit pas grand-chose. On ne voit même pas la déco, on ne voit rien du tout. Donc du coup, je me suis un peu plantée, j'aurais dû mettre de l'autre côté. Mais ça, c'est pas grave, je vais régler le problème. Là, la personne va reconnaître, voilà, assez rapidement. Il faut vraiment que je réponde, hein, faut vraiment que j'y pense. Donc, la déco se fera donc dans la semaine et comme ça, quand je ferai des partages de vidéos, vous aurez accès, vous aurez une vue sur une déco Noël quand même, hein, même s'ils font tout pour qu'on les gens soient éloignés. Enfin, ça, j'en parlerai par la suite. Hein. Et puis du coup ici donc j'ai mis voilà ce qu'on a vendu. Vous savez, je pense qu'il y en a qui connaissent hein, les minéraux du monde. Donc il y en a quand même pas mal. Hein. Voilà, vous avez l'agate bleue, vous avez l'aigle marine, vous avez l'albite, l'amazonite. On voit la cornaline en dessous, ça c'est si je l'ai. L'améthyste aussi, j'ai la druze, mais je n'ai pas ce qu'on appelle la géode. Le cristal de roche, etc. L'émeraude, le japse rouge, voilà, je l'ai aussi. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de hein, la calcite orange. Ben voyez, la géode de quartz de Sahara. Donc c'est pas encore. Voilà. Voilà, il y en a quand même pas mal. Le quartz fumé, je l'ai. Le quartz rose aussi. Je les ai pas toutes. Hein. Le quartz citrine, je l'ai pas non plus. Vous avez aussi donc le lapis-lazuli, là c'est en brut, donc ça n'a rien à voir avec la pierre lisse, la plus de reflets, voilà. Labradorite, voilà, comme celle que j'ai, mais c'est pas encore tout à fait la même. La pyrite, enfin vous avez quand même le jaspe rouge, voilà, il y en a quand même pas mal. Hein. L'œil de tigre, je l'ai aussi, l'obsidienne, vous avez la rose des sables, etc. etc. Tiens, il y a Nouki qui arrive. Tu fais un coucou à maman? Viens. Tu fais coucou? Tu fais coucou mon bébé? Bah ouais. Donc voilà. Bah ouais, j'étais pas à côté de lui, donc voilà. Attends, descends. Hop. Donc du coup. Ben voilà, donc la déco sera faite dans la semaine et puis je vais trouver ben la solution de mettre la table de l'autre côté pour qu'on puisse quand même voir ce qui sort sur la table. Voilà. Et donc je vais revenir après pour, pour vous dire certaines choses et voir s'il y a des messages des anges et puis une prière aussi. Donc nous verrons ça ensemble. Donc ça, je le ferai beaucoup plus tard. Voilà, puis je. Il y a des choses que je vous dirai, voilà. Donc, ça sera plus tard, voilà. Mais écoutez, ben, je vais vous laisser. Ah ben oui, j'ai le cadre à vous montrer aussi. Donc, voici ce fameux cadre. Hein. On voit l'intérieur d'une église vieillie. Donc, il y en a qui vont dire, ouais, ben, pourquoi mettre ça dans une chambre? Ben, c'est comme ça. Voilà. Et à côté, vous avez donc Bouddha. Donc, on voit le luminaire, on voit pas très bien. Alors ça, vous voyez, c'est un pulse, donc il est assez grand, hein. Il est assez large et ce pulse vient de, ben, c'est ma sœur aînée qui me l'a offert, tout simplement. Donc quelle patience, voilà, on voit le reflet du luminaire. Donc comme ça vient de ma sœur aînée, ben je le garde. Donc c'est vrai que d'un côté, pardon, j'ai Bouddha. Et de l'autre côté, voilà, ça peut choquer certaines personnes, mais voilà, chacun son truc. Voilà. Donc à savoir qu'il y a très longtemps, quand j'étais donc dans les Landes, je m'étais fait un autel.
moi-même, où j'avais Bouddha, j'avais aussi de l'eau qu'il fallait changer tous les jours, j'avais aussi une plante, de l'encens, voilà, ça c'était noté dans la Bible du Feng Shui, voilà, il y avait plein de choses à savoir, à découvrir, et puis des offrandes, voilà, je mettais du riz, voilà, il fallait changer l'eau tous les jours, à moins que vous ayez une fontaine, etc. Voilà, donc voilà, ici dans ma chambre, j'ai l'intérieur d'une église. Via aussi ce que j'ai appris aussi, qu'il y a de moins en moins de croyants, etc. Et je vous expliquerai plus tard pourquoi. Donc voilà, c'est sur cette dernière image que je vais vous laisser. Donc je vais revenir ultérieurement, donc ça sera beaucoup plus tard, je suis désolée, pour vous parler de certaines choses. Hein, on s'attend plus ou moins à ce qu'on va nous dire demain. Donc il y a des choses aussi que je vous dirai aussi. Voilà, des petites infos. Et puis voir les. Tiens, il y a Nuki qui est sur le lit, il est sur son plaid. Et puis aussi, comment vous dire. Taratata, je cherche. J'ai le cerveau fatigué. Je ne sais plus. Voilà. Mais bon, nous verrons les messages des anges et puis une prière. Voilà, c'est un tableau qui est vieilli, vous voyez, ça fait un peu les images d'antan. Et puis il y avait plusieurs choix de cadres comme ceci, il y avait d'autres. Voilà, il y avait des trucs d'Italie, tout ça, voilà, c'était pas mon truc, quoi, voilà. Donc j'ai choisi ceci, tout simplement. Donc c'est vrai, on va dire, ça c'est spécial, mais bon, chacun son truc. Donc c'est sur cette dernière image que je vais vous laisser et je vous dis à plus tard et je vous fais de gros bisous et j'espère que, je le répète encore, vous avez passé un très bon week-end et que tout se passe très très bien pour vous. Donc je reviendrai tout à l'heure. Je vous embrasse et à plus tard. Bisous bisous.